Dans le village de Kiandi-Oualogo, dans le département de Bondoukou, les chrétiens catholiques, accompagnés par leurs frères et sœurs des autres confessions religieuses, ont prié pour l'unité, la cohésion et le développement du village à l'occasion de l'inauguration du nouvel espace de prière du village. C'était en présence de notre correspondant régional, Anissé Kouadio. Voici la nouvelle grotte mariale de prière du village de Tchendi-Ouallogo, localité située dans le département de Bondoukou. Cette œuvre spirituelle a été dédicacée par Monseigneur Bruno Essoedo, évêque du diocèse de Bondoukou, à la demande de la grande communauté chrétienne catholique de la localité, qui voudrait sceller davantage l'union entre les fils et les filles, prier pour les autorités et pour la paix en Côte d'Ivoire. Un autre lieu de prière qui vient s'ajouter à ce que nous avons au niveau du diocèse, qui va donner la possibilité aux fidèles chrétiens de se recueillir, de prier et de recevoir les grâces qui viennent du Seigneur. Tchendi-Ouallogo, c'est le village de l'épouse du ministre d'État, Kobinan Kwasi Adjoumani. Aux côtés de M. Kwasi Faustin, file ses cadres du village, le donateur de cette grotte mariale dédiée à Notre-Dame de Lourdes, qui veulent renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble entre les populations de la localité. Mon vœu le plus ardent s'est accompli aujourd'hui. Je suis tranquille. La prière dans un lieu où tout le monde peut contempler. Dis merci au donateur. Grâce à lui, Tchendi-Ouallogo aujourd'hui est heureux d'avoir une grotte. Remerciements au Seigneur pour les grâces, les bienfaits qu'il a accordés au donateur pour bâtir non seulement la grotte au bénéfice de l'église. Notons que la chapelle du village de Tchendi-Ouallogo dépend de la paroisse Sainte-Anne de Bondoukou et l'ensemble des fidèles de cette paroisse ont tous déposé aux pieds de la mère du Seigneur Jésus leur supplication afin que les grâces et les faveurs de l'Éternel visitent Tchendi-Ouallogo pour son développement total, pour le bonheur de tous.